Bonjour et bienvenue dans cet épisode 14 de la saison 1 des Dés sont jetés. Je vais introduire cet épisode le plus rapidement possible car vous devez trépigner d'impatience à l'idée de savoir à quelle sauce vont être mangés vos héros après la situation dans laquelle nous les avons laissés la semaine dernière. Alors si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est parti. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les égouts, des voix se sont élevées à l'entrée. Ils étaient recherchés. Le désordre s'est alors installé dans leur rang. Cratel a glissé et le combat s'est engagé. L'enquêteur et le nain ont pataugé dans l'eau et se sont montrés assez peu efficaces une bonne partie du combat, laissant la charge à Mibi et Mayal de résister face aux assaillants. Mais Mayal s'est pris un coup vicieux et s'est donc désengagé du combat. L'espoir renaît quand Eldebaf rejoint enfin le combat et porte un premier coup à son adversaire avant de misérablement rater sa cible sur le second, faisant une victime collatérale. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette. Aïe 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 aïe, eh ben ça servait bien que je rajoute un jet de réflexe aussi. Ouais, je suis désolé Cratel. Attends, rate pas ton jet de réflexe déjà, puis on verra après. Parce que je suis tellement désolé Cratel. Effectivement, il a fait un mouvement de haut en bas. Cratel, tu peux faire un jet de réflexe aussi pour esquiver la moitié des dégâts. Saute à l'eau, saute à la moitié. Ok. Bah tu prends 11. J'en ai marre. Tu vois Cratel qui ne bouge plus sous le marteau. Mais c'est vraiment une blague ce combat. Il vient de tomber dans les pommes et la situation commence à être critique. Mibi, qu'est-ce que tu fais? Alors... Putain, le critique de merde là. Tu pouvais pas juste le pousser dans l'eau parce qu'il était déjà un peu assommé? Bah de toute façon, je pense que j'aurais fait un marteau, tu sais, juste comme ça. J'aurais fait un truc critique pareil, je pense que c'était le destin. Alors Mibi. Oh là là, on est mal. Eh bien, je vais... Oh, c'est dur, il y a tellement de... Alors attendez, on va un petit peu s'amuser. Faites-moi tous un jet de perception. Bon, à l'exception de Cratel, hein, du coup. Il peut peut-être percevoir le sol mieux que nous. Hein. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas pour ça. Il a bien perçu mon marteau. Ah, il l'a senti ton marteau, oui. 15. Ok, Eldebaf, tu... Alors, de ton côté, bon, t'as entendu ceux qui venaient de l'entrée. Hein. Mayal et Mibi, vous êtes concentrés. Eldebaf, tu perçois que l'eau, en fait, s'écoule dans ce sens-là. Tu l'avais déjà un peu perçu en étant plongé dedans. Et qu'il semble y avoir une sorte de sortie au bout, dans cette direction-là, au bout du canal. Tu sais pas exactement où ça va, ça semble s'enfoncer peu dans l'obscurité, mais potentiellement, ça pourrait être compliqué de vous suivre là-dedans. Tu perçois une autre chose, c'est que tu entends comme une sorte de courant d'air qui semble provenir de la zone opposée dans laquelle vous êtes et s'engouffrer vers le puits d'où vous venez. D'accord. Ok, donc il y a un courant d'air qui vient de là, donc potentiellement aussi une ouverture. Une autre sortie à droite. Ok, mais on sait pas où. Voilà. Ouais, avec Cratel qui est dans les vapes. Et donc du coup, Mibi, qu'est-ce que tu fais? Mayal qui est pas super en forme. Il y a aussi Cratel qui est dans les vapes et on peut pas l'emmener, comme on le porte, si on veut se sauver. Bah, il va flotter dans l'eau. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Suffit de faire en sorte qu'ils boivent pas la tasse, quoi. Ouais, c'est ça le plus risqué. Je n'ai rien vu, donc je vais essayer de lancer
un nouveau projectile magique sur celui qui est en face de moi. D'accord, sur la défensive, donc, j'imagine. Sur la défensive, oui. D'accord, donc un test de concentration, s'il te plaît. Ah, malheureusement, ça ne passe pas. Tu n'arrives pas à te concentrer suffisamment pour pouvoir lancer ton sort. Est-ce que tu te déplaces également ? Ah non, il va me toucher. Ça marche. Du coup, c'est à eux. Celui qui est face à toi, Mibi, arme sa dague dans ta direction et il parvient à te toucher. Il parvient à te toucher et il te fait 5 points de dégâts. Mal. Ah là là. Oh là là, ouais, 5 points de dégâts, celui mal, qui est de l'autre côté, il a vu que Kratel ne répondait plus présent maintenant, donc il s'oriente un peu plus vers Eldebaf, et il arme sa matraque, qui malheureusement vient se heurter contre le mur à côté, il a vraiment, vraiment tapé comme un manche, et derrière, vous entendez les autres qui s'approchent et qui disent « Oh, il fait noir là-dedans, il fait sombre en plus là-dedans, mais on n'y voit rien, c'est quoi ce bordel ? Ah, là, ça bouge !» Rendez-vous, vite. Et jamais. C'est maintenant à Kratel. Kratel, je vais te demander de faire un test de constitution. Oh. Ok, tu parviens à te stabiliser. Donc tu es stabilisé, tu n'es pas en danger de mort. Bon, sauf si on te réassène un coup, mais pour l'instant, tu restes donc au nombre de points de vie que tu es. T'es pile à zéro ou t'es en inférieur du coup ? Moins un, d'accord. Donc oui, t'es inconscient. À pile zéro, t'aurais été encore conscient, mais hors combat. Ok, du coup, c'est maintenant à Mayal. Mayal, qu'est-ce que tu fais ? Tu as des gens qui commencent à venir de l'autre côté. Natation ! Hey, ils sont morts, là, je les vois pas. Je sais pas où ils sont. Ouais, tu les entends, je pense, parce qu'il a gueulé, l'autre gars, là. Ouais, mais du coup, si je veux tirer ou quoi, ce sera avec des malus. Faut que j'essaye de pousser celui-là pas de... là, pour pouvoir passer. Ah, je te dirais, tire-toi tout court en fait, hein, saute à l'eau. Ah, mais il y a le pont, comment je peux passer sous le pont là ? Sous le pont, il suffit que tu retiennes un peu ta respiration et que tu passes un peu la tête sous l'eau quoi. Après, c'est une eau dégueulasse, mais... Et le courant, il va me porter tout seul jusqu'au bout là-haut ? Le courant, il va, une fois arrivé là, il va t'amener sur la droite. Et effectivement, tu vas après partir par là-bas. Et bah, faisons ça. Je fais un jet de plongeon du coup. Non, tu plonges, ça y a pas de problème. Par contre, il faudra que tu fasses un jet de constitution déjà. Et derrière, un test de natation pour éviter de te noyer. C'est pas vigueur contre Oui, vigueur, oui, pardon. C'est bien, tu parviens. Toi aussi à résister à ces effluves nauséabondes. Les autres autour entendent un plouf et ils disent ah faut pas qu'ils s'enfuient. Du coup je fais un jeu de natation aussi ou? Oui, un jeu de natation également. Eldebaf, je t'invite dès maintenant à me dire ce que tu fais, comment tu agis, tandis que Mayal parvient à garder la tête hors de l'eau et à avancer tout en maintenant sa respiration. Je vais foutre Kratel à la flotte. D'accord. Ça m'amène jusqu'où là ? Tu arrives jusque là pour l'instant, Mayal. Là, t'as juste passé le pont. Toi, de ton côté, tu mets Kratel à la flotte, ok. Je le chope par les épaules et je le balance à la flotte rapidement. Et tu sautes avec lui ou ? Et si j'ai le temps, je saute avec lui. Tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Et on retente les D20 par là. Non, c'est toujours pas ça. Il rate son attaque d'opportunité. Pas besoin que je te donne ma CA. Non, c'est pas la peine. Mibi, c'est à toi. Tu vois tes camarades qui semblent prendre la tangente. Ok, je vais faire toucher Rieur sur le mec qui est en face de moi. D'accord, ok, très bien. Pour pouvoir fuir ensuite, si ça touche. Si ça touche, très bien. Ah non, 4. 4 versus contact, non, ça ne touche pas. Bon, je vais plonger quand même, tant pis. Ok, attaque d'opportunité, du coup, sur toi, qui te touche. Oh merde. No, I'm gonna die. Et le suspense. Tu prends... 2 points de dégâts. Oh. Ça va, t'es encore consciente ? Oh là là. Ouais, mais... T'as un point de vie, quoi, je pense. C'était une blague, hein, quand j'ai dit que je mettais tout en natation, donc je risque de me noyer, quand même. c'est dommage. Tu plonges dans l'eau, je vais te demander un jet de constitution, oui. Jet de vigueur également, pardon. Ah. 17, c'est bien, tu parviens également à résister. Je te l'ai pas fait, d'ailleurs, moi. Je vais te le faire. Ah, t'avais déjà résisté tout à l'heure, donc c'était pas nécessaire. D'accord, ok. C'est la première fois que vous tombez dedans, quoi. Et un jet de natation également, par contre, pour Mibi et pour Eldebaf. Oh, ça va. Mais merde. Eldebaf boit
bois un peu la tasse, c'est vraiment pas bon, c'est dégueulasse. c'est dégueulasse. En fait, tu coules pas, mais tu galères. On dirait de la pierre blanche. Ah ouais, non, c'est pire que ça. Hein. C'est vraiment pire que ça, on dirait presque de la pisse. D'ailleurs, demande s'il y a pas un peu de pisse dedans. mais c'est la bière de l'autre con là. Mayal, tu as un type qui essaye de t'agripper au passage tandis que tu es en train de glisser sous le pont. Quel est ton DND ? 16. Il parvient à agripper un de tes vêtements et à te retenir pour pas que tu t'enfuis. Tandis qu'un autre tente également de rattraper Mibi. Et Mibi, c'est pareil, tu es agrippé. Est-ce qu'on peut faire des jets de réflexe pour s'échapper ? Vous pourrez au tour d'après. Enfin, à votre tour, quoi, en gros. Tandis que les autres avancent et que celui qui semble être le chef de cette petite escouade, fort bien armuré et plutôt bien équipé, s'approche en disant « Mais c'est quoi ce bordel ? Les laissez pas s'enfuir, bande d'incapables !» On et reconnaît si pas, nous. C'est... On sait même pas qui c'est. Non, vous l'avez jamais vu. Vous l'avez jamais vu. Et vous voyez Mayal tenter de s'en sortir. Mayal, du coup, je te demande un jet de BMO, même pas un jet de réflexe, un jet de BMO, s'il te plaît, pour lutter contre... Si je décide plutôt de découper carrément le morceau de vêtement où il m'attrape, ça marche mieux. Tu peux tout à fait le faire. Bah, je pense que je vais faire ça. Hein. Ok, je me rachète pas. Tu découpes le morceau de vêtement, tu commences à glisser un peu plus dans cette direction-là. Toc, tu arrives ici. C'est au tour d'Eldebaf. Eldebaf, tu as Kratel qui commence à partir tout seul. Ouais, je vais le rejoindre pour essayer de le garder la tête hors de l'eau. Maintenir la tête hors de l'eau. Alors, en arrivant près du pont, il va falloir me faire un jet de natation pour essayer de passer proprement sous le pont sans trop vous égratigner. D'accord, je te le fais maintenant. Ouais, s'il te plaît. Ok, parfait. Tu parviens à passer sous le pont avec Kratel et au moment où tu passes par là, tu vois le vieux qui est en train de regarder. Mais c'est quoi ce bordel ? Mais c'est pas les bains ici, dites-moi ! Ta gueule ! Mibi, de ton côté, tu es aussi agrippé. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir ? Je peux pas faire un jet d'évasion ? Si, tu peux tenter un jet d'évasion aussi. Effectivement, c'est aussi une possibilité. Bien vu. Cool, je vais faire ça alors. Parfait, tu parviens effectivement à t'évader, à glisser entre ses mains littéralement et à partir là-bas dans cette direction-là. Alors tes lumières, en fait, en plongeant dans l'eau, t'as perdu un peu ta concentration pour tes lumières. Je vais te demander de faire un test de concentration de ton côté pour savoir si tu parviens à les maintenir. J'ai de concentration. Ouais. Ah, et ben là, ça marche. Tu parviens donc, avec 16 de concentration, à garder tes lumières actives et à continuer d'éclairer tes camarades malgré le fait que vous soyez dans l'eau. Donc toi aussi, tu avances. Mayal aussi, tu as avancé. Je vais vous demander à toutes les deux un jet également de natation pour passer ce pont. Ok. Mibi, toi, tu bloques au niveau du pont. C'est pas que tu te le manges, mais c'est que tu bloques. T'arrives pas à concentrer ta respiration pour passer sous le pont. Tu paniques un petit peu aussi. Mayal, toi, t'as pu passer de ton côté. Allez, Mibi! Vas-y, Mibi! Allez! Et Mibi, tu vois le vieux à côté. Tu vois le vieux à côté qui s'approche. Fait... Vous avez besoin d'aide pour sortir d'ici. Je vais vous aider. Oh. Et il n'arrive pas à t'agripper. Et il tombe à l'eau avec lui. Ouais. Tendez-moi votre chemin. Il y a tout le monde qui va arriver dans le fleuve, tu sais, tandis un peu plus loin. Vous, à derrière, vous en voyez un derrière qui craque une allumette, enfin qui allume en fait une torche. Pour commencer à vous chercher, parce qu'ils vous ont un peu perdu de vue. Ils poursuivent un peu le long comme ça du bord pour venir vers vous. Alors, les autres, vous parvenez à glisser par cette petite embrasure ici, qui est très étroite. Il n'y a plus de rebord, il n'y a plus de corniche à partir de ce moment-là. Vous êtes uniquement dans le noir et dans l'eau, vous ne savez pas où ça vous mène. Mais, toujours est-il que derrière vous, vous voyez ces lumières qui s'éloignent. Vous ne savez pas exactement ce qu'il se passe pour Mibi. Et chose la plus importante surtout, vous commencez à entendre les sons
des voix qui s'éloignent et s'éteignent petit à petit. Je ne vais garder que Mibi pour l'instant sur donc, le chat. Les autres, je vais vous demander d'enlever votre casque pour le moment. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Et je vous referai le symbole comme ça pour vous dire de le remettre. Voilà, je vous ferai le signe pour le remettre. À tout de suite. Okay. Donc, Mibi, tes camarades sont en train de s'éloigner. Ils ont pris le passage par le tunnel. Tu as le vieux au-dessus de toi qui se tourne un peu vers là-bas, qui les voit arriver et qui te dit « Vite, vite, faut se déplacer, faut que tu remontes ou que tu passes en dessous. » Ouais, pour remonter, ce serait quoi comme j'ai ? Pour remonter, ça va être un test de force. Ouais. Ou un c'est test d'acrobatie, ça dépend. Est-ce que je pourrais faire sauter et replonger derrière ? Oui, tu peux tout à fait. Tu peux faire acrobatie, tu peux choisir ça. Et il faut que tu te dépêches parce que tu les vois qui se rapprochent derrière. Alors je fais ça, acrobatie. Ok. Non, malheureusement, ça ne passe pas. Et tandis qu'il te voit galérer, le vieux se tourne vers les autres et décide d'aller les embêter et les empêcher de passer. Le vieux Dumbad qui se pointe devant, il fait « Bonjour messieurs, est-ce que je peux vous aider ?» Tu peux soit faire un jet de natation pour retenter de passer en dessous, soit retenter un test d'acrobatie. Je vais retenter un test d'acrobatie, parce que j'ai quand même plus de... Ah, eh... Parfait. Hein ? Tu parviens à remonter du coup sur le pont et tu peux replonger derrière en direction de cette sortie. Eh ben, c'est parti, on plonge. Ok, tu plonges du coup et tu t'éloignes en direction de la sortie tandis que tu entends derrière le vieux Dumbad qui s'adresse aux hommes qui te suivent et qui disent « Mais qu'est-ce qui vous amène ici ? Et mais qu'est-ce que vous faites ? Non, ne faites pas ça. » Oh et non! Fin de cet intermède, vous êtes maintenant dans ce passage sombre. Vous avez entendu les cris s'éloigner derrière vous et vous ne savez pas exactement si Mibi a réussi à s'en sortir et à vous rejoindre jusqu'à ce que derrière vous voyez les petites lumières de Mibi dans le tunnel sombre qui vous permet de vous rendre compte que la voûte est vraiment très très basse au-dessus de vous et que vous avez à peine la place de juste relever la tête au-dessus des eaux pour respirer. Vous ne savez pas jusqu'où ça vous mène. Pour l'instant, vous êtes ballotté dans l'eau et je vais vous demander un nouveau test de natation. Oh, c'est ça. 13. Mayal, Mibi, vous buvez un petit peu la tasse, vous commencez à perdre un petit peu vos repères et vous avez du mal à gérer un moment où vous devez passer en fait sous une partie immergée, entièrement immergée, et vous avez avalé la tasse de votre côté, donc vous êtes maintenant nauséeuse. Toutes les deux, donc vous vous sentez pas très très bien. De son côté, Eldebaf lui a réussi à anticiper la situation et à en même temps couvrir la bouche et le nez de Kratel pour éviter qu'il se noie dans ce passage. Vous revenez dans une partie un peu plus, un peu plus haute de plafond qui n'est plus immergée. Vous continuez d'avancer, il n'y a toujours pas de corniche et au bout d'un moment, vous arrivez à voir, vous commencez à voir une lueur un peu au loin, très légère. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, commence à s'intensifier de plus en plus. Et vous voyez que dans cet endroit, il y a un peu plus de plafond, il y a de nouveau des corniches. Et il semble y avoir une ouverture en haut à un endroit, comme une sorte de bouche d'égout. Est-ce qu'il y a une échelle qui en descend ? Oui, il y a une échelle qui en descend, effectivement. Et en fait, l'endroit où vous débarquez est beaucoup moins profond. Ça s'écoule toujours dans la même direction. L'endroit où vous êtes est moins profond, donc vous parvenez à reprendre à peu près pied. Ok, il y a moins de courant aussi ? Alors non, si, il y a toujours autant de courant, par contre. D'accord, mais bon, on touche le sol, c'est déjà pas mal. Mmh. Ok. Vous touchez le fond, ça dépend comment on le dit, mais... On a déjà touché le fond avec le combat précédent, donc bon, on est habitué à ces choses-là maintenant. Bon, bah, je pense que c'est notre ticket de sortie. Il faut, est-ce que vous arrivez à vous rapprocher de la de l'échelle ? On va peut-être essayer de se tirer de là. Ça pue en plus. Le problème, c'est comment on fait pour remonter Kratel du coup à l'échelle ? Est-ce que l'un de nous a des compétences en vite fait en soins ? En premier secours. Non, c'est Kratel justement. Regardez si vous avez les compétences en premier secours. Il me semble que Mayal en a quelques-unes. On avait fait une fois, ouais. Non ? Moi j'ai rien du tout.
Au total, faut de la sagesse. Mais j'ai une capacité qui permet de stabiliser une créature mourante au toucher, mais on n'en est plus là. En fait, il est déjà stabilisé. Il l'est déjà. Il est déjà stable. Là. C'est juste qu'il est inconscient. De toute façon, déjà, faut que tu tentes après ça. On n'essaye pas. Ça coûte rien. Pas de se mettre sur la corniche d'abord. Si, pour se tirer de là, ouais. Alors effectivement, on peut vous hisser des os pour vous placer sur la corniche. Vous parvenez à vous installer et il fait très sombre dehors. Vous voyez en fait cette lumière que vous voyez par le hublot, on va dire, c'est la lumière de la lune. Donc vous êtes en pleine nuit. Ah oui. D'accord. Bah, je tente le premier. On a réussi à se hisser. Alors tu parviens à faire 2-3 petits bandages à certains endroits pour penser ce qu'il a pu avoir. T'avais des points temporaires, des points de vie temporaires que t'avais perdu, Kratel, de ton côté. Tu veux dire des dégâts non létaux, j'en avais pris 5, quoi. Ouais, mais tu récupères ces dégâts non létaux, là. Bon, donc du coup, tu reviens conscient. Il revient à lui, effectivement. Pas en grande forme, mais vous êtes nombreux dans le groupe à ne pas être en grande forme. Ouais, du coup, ça va vraiment lui permettre de sortir de là avec nous à l'échelle, quoi. Ouais, c'est ça l'intérêt. Bon, bah vraiment désolé, Kratel. Hein. On va commencer à sortir. Je propose de passer en premier. Si jamais on nous attend en haut, bon, ça m'étonnerait, mais bon, si jamais on avait une mauvaise rencontre en haut, je suis le plus en forme pour taper un éventuel intrus. Faites-moi un jet de perception, du coup. Oh là là, bon bah. Oh là là. 28 pour Kratel, 4 qui est un échec critique pour Mibi, 4 aussi qui est un échec critique également pour Eldebaf, et 11 pour Mayal. On a de la merde dans les yeux là, littéralement. Ouais. Kratel, alors vous, il s'est réveillé totalement à l'aise, comme un sur les 4, il voit tout. Vous, en fait, vous êtes. Mibi et Eldebaf, vous êtes pressés de sortir d'ici. Vous en avez marre de cet endroit humide, sombre et puant, vous avez envie de sortir, et vous commencez à grimper à l'échelle. Mayal, toi tu n'entends rien, à part peut-être des bruits de pas dehors. Et Kratel, toi de ton côté, je te demandais un jet de réflexe. Tu parviens, ils mettent un petit peu de temps à monter à l'échelle quand même, tu parviens à les retenir quand même assez rapidement, parce que de ton côté, t'as entendu, c'était... T'as aussi entendu ces bruits de pas, mais ça ressemble plus à des gens qui sont en train de courir et de chercher des personnes. Ils sont un peu au pas de course. Ouvrez-les ! Ils doivent bien être quelque part. Ils vont ressortir par quelque part. Certainement par le canal qui atteint la girouette. En plus, il y a le maelstrom là au milieu. Putain, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Mais... Alors, vous seriez dans la partie qui descend, donc en aval de la cuvette. D'accord. Mais par contre, vous savez que du coup, autour de vous, là, il y a pour l'instant du monde qui vous cherche dans la ville et qu'il y a du monde au-dessus, du coup. On va peut-être attendre jusqu'à ce qu'il fasse jour, peut-être, ouais. Le problème, moi, c'est j'ai peur qu'il y en ait qui aient l'idée d'aller dans la flotte comme on a fait et qui nous rejoignent. Je sais pas trop s'ils vont se mettre à l'eau ou pas, ou en même temps, c'était assez bas de plafond, donc ils vont pas pouvoir mettre une barque ou un truc du genre non plus. Je sais pas trop. Première chose, moi je vais me créer de l'eau, histoire de me nettoyer un maximum. D'accord, ok. Et enlever la crasse et la puanteur, donc je vais faire de la création d'eau en boucle et me laver avec tant que c'est possible. Limite, je vais le faire apparaître en pluie pour que ça nous un coup suffit, hein, parce que du coup t'as 8 litres par niveau, donc là t'as 8 litres d'eau qui est créée, d'eau pure. Bah 16, alors, et on est niveau 2. On précise, hein, parce que justement on n'avait pas parlé du passage de niveau avant donc de reprendre cette session. Au moment de reprendre ce combat, les personnages avaient donc passé un niveau, ils étaient passés au niveau 2. Et niveau 2. Alors de son côté, Kratel, lui, n'a pas pris un niveau supplémentaire en enquêteur, il s'est biclassé en inquisiteur, ce qui lui ouvre certains pouvoirs divins, désormais associés à son dieu Cruz. Voilà. Du coup, vous êtes beaucoup plus propre désormais et dans un endroit qui semble pour l'instant calme, où les hommes ne semblent pas avoir repéré ce passage. Vous êtes tranquille. Vous pouvez opter pour cet endroit pour vous reposer, mais pour cela, il va falloir vous installer et vos affaires sont un petit peu humides. Voilà. Donc, pour se reposer, ça va être... ça va compter comme un repos, mais il sera pas vraiment complet, quoi. Je vais retirer mon armure, moi, pour essayer de sécher, qu'elle est sèche de son côté et moi aussi. Et j'ai une couverture dans mon barda,
Je vais essayer de me pareil de me sécher avec cette couverture. D'accord. Je peux faire un sinon. Un quoi pardon? Un feu. Ah, vous pouvez tenter de faire un feu. Est-ce que vous avez du combustible? Ouais, j'ai ça, ouais. Enfin, après, des feuilles de papier, mais ça sert pas à ça. Pas beaucoup de choses à cramer, c'est ça le problème. On a de quoi faire un feu, mais il y aura pas longtemps, quoi. Ouais, et puis toutes vos affaires sont un peu humides aussi, quoi. Ouais, puis le tunnel, c'est assez haut quand même. Et puis moi, j'ai peur que la fumée, ça attire du monde, puisque ça va ressortir par la bouche d'égout. Il y a 2 mètres de haut, là, à l'endroit où vous êtes, à peu près. Ouais, alors en plus, on va se fumer la gueule. Hein. Parce que nous, encore, on est petits, mais Kratel, il va se... il va pas avoir le choix que de se mettre au sol, quoi. Et puis même d'une façon générale, je trouve que c'est pas une bonne idée parce qu'on va se faire ça va nous repérer, hein. Je pense que il va bien falloir que la fumée s'échappe par la bouche d'égout, en fait. Faut juste qu'on se pose, qu'on attende un maximum, qu'on reste attentif au bruit au-dessus, ouais. Et dès qu'on a une ouverture, on fonce et puis on posera là où on pourra se poser. Ouais. Mais de toute façon, là on est dans une situation critique de toute façon. Ouais, moi je pense que je vais faire comme elle de baf, je vais poser mon armure sur le côté pour que elle sèche un peu. Et je sors ma paillasse et ma couverture et je me roule en boucle avec une petite ratatouille. Mibi, fais un jet de volonté, s'il te plaît. Oh là là, volonté. Ah, t'étais en piteux état aussi, Mibi. 16. Ok. Tu réfrènes le petit élan de tristesse qui revient à toi. Je suis très triste. Oh bah non, on a juste échoué lamentablement à un combat et on a failli mourir. C'est pas grave. Mais c'est que le vieux Clodo, il est mort. Mais non. Ah non, Clodo Sama. Ah merde. Et il nous a bah peut-être sauvé la vie. En te sauvant la vie. Oui. Il a abandonné son chat. Le gros chat qui pue. Il s'appelait comment, Monsieur Moustache ou je sais pas quoi, non? Non, ça Perlipopette. Monsieur Perlipopette. Monsieur Perlipopette. Le chat Perlipopette. C'était le chat Perlipopette. Ah merde. Bon, on retournera le chercher, effectivement. Quand la situation sera calmée, on retournera, je pense, au moins à l'entrée, vu que c'était juste à côté de l'entrée, quand même. Voir si on peut pas le récupérer, ce pauvre petit chat. Bah oui. Ah là là. Mais oui. Du coup, je vais faire un peu comme les autres, essayer de me sécher. Ouais, d'accord, ok. Et... Bah vous tentez tant bien que mal de vous sécher. Les heures passent, vous tentez également de vous endormir. Et pour ça, je vais vous demander un jet de volonté à chacun. A voir si vous parvenez à vous endormir. Moi, je vais pas essayer de dormir, moi. Je... D'accord. Surveille. Tu restes aux aguets. Yep. Ah, j'ai zéro volonté. Moi, je dors comme un bébé. Alors, Maya, effectivement... Ah bah oui, mais on sait. À 19, parvient à s'endormir. Mibi, également, parvient à s'endormir. Elle de baffe, lui, de son côté, est un peu trop agitée. Ah, le vieux. Moi, je pense au vieux et au chat. Je suis trop triste. Voilà, ça t'empêche un peu de dormir. C'est la mort du vieux chat m'attriste. Et vous dormez, pour ceux qui parviennent à dormir. Et au bout d'un moment, tandis que les heures passent, vous entendez toujours un peu de bruit en haut, de personnes qui semblent chercher au travers de la rue. Au bout d'un moment, ça semble un petit peu se calmer, s'espacer entre les différentes patrouilles. Vous voyez les premiers rayons du soleil qui commencent un peu à percer dans la ville. Et au moment où les premiers rayons du soleil percent, vous voyez une silhouette qui s'approche de la bouche d'égout et qui, le plus discrètement possible, essaye de l'ouvrir et se penche vers vous. Et Kratel, tu reconnais Miklos. Mon Dieu. Ah. Ah. Il dort toujours, Kratel. Vous êtes là. Et il descend discrètement, refermant derrière lui. Et il descend. Comment tu nous as trouvés, Miklos? Vous semblez dans un... Comment tu savais qu'il était à notre recherche, hein? Vous l'avez jamais rencontré tous les deux. Il n'y a que Mibi et moi. Il n'y a que Mibi, ouais. C'est qui ce mec? Alors du coup, Maya et Mibi, ça vous réveille. Vous avez quand même récupéré ce que la nuit vous a permis de récupérer. Vous avez donc réussi à récupérer 2 points de vie. Ah ouais, wow. C'est l'équivalent de son niveau, hein, qu'on récupère pendant la nuit. Donc vous avez récupéré 2 points de vie et vous voyez un homme en fait devant vous, plutôt bien habillé. Alors, une tenue quand même pratique qui évoque un peu une sorte de tenue d'explorateur avec une veste, etc. Mais très soignée, très très soignée.
Il porte un chapeau Fedora. Pour ceux qui voient pas ce que c'est le type de chapeau à la Indiana Jones. Et il a des cheveux d'un blond de blé et parfaitement bien coiffé dans un sens sous son chapeau. Et il descend là et il fait « Ah, je vous ai enfin trouvé. Eh bien, toute la ville est à votre recherche, semble-t-il. » Toute la ville ? La ville ? Mais pourquoi ? Bon, voilà. Si ce n'est toute la ville, en tout cas, tous ceux qui sont à la botte des colporteurs. Ah, c'est les colporteurs qui sont descendus chez les abeilles. Ah ben, il semblerait qu'ils vous cherchaient déjà hier soir pour, de ce que j'ai cru comprendre, un jeune garçon que vous n'auriez pas livré. Voilà. C'est à la fin de la mission du gardiennage de l'entrepôt, là, c'est vrai qu'on était soi-disant censé leur remettre le voleur. Alors je sais que vous étiez à la recherche des abeilles, hein, peut-être par ma faute, hein, d'ailleurs. J'en suis navré, j'espère que vous avez pu récupérer l'objet de mon marchandage. Mourir, etc. Mais oui, on va s'inquiéter du fait qu'on ait réussi à retrouver votre corne, c'est sûr. Ah, c'est parfait. De mon côté, je pense pouvoir... Ouais, t'as pas de force, là. T'es au 36e sous-sol, vas-y, là. Un pain dans la gueule, vas-y. C'est pas la question. Le mec n'a pas compris l'ironie, je lui mets un pain dans la gueule. Enfin, en tout cas, j'essaye. Vas-y. J'ai d'attaque de mêlée. C'est mêlée, allons-y. Ouais. Petite claque là. Ok, tu sembles particulièrement fatigué et il esquive assez facilement et fait oula, oh là là. Je viens vous proposer de vous sortir de la ville. Si nous pouvons nous entendre. On va peut-être l'écouter, on le tapera après. Okay. Attends deux secondes, il faut que je vérifie un petit truc. Je pense qu'il va se manger un jugement à la tronche, lui. Non, je vérifie un truc, voyons voir. Oui, ok, je ne vois aucune dignité sur cet homme, nous allons donc. Je vais essayer de lui en donner un peu, de lui en inculquer un peu dans la gueule. On est d'accord. Je connais pas cet homme, mais je me dis qu'il le mérite. Hein. Non, mais le gars, attends, il va essayer de sortir de là. Bon, c'est sûr, il s'intéresse d'abord à ce qui nous a fait. Je disais, c'est bien les jugements que j'ai pris. Hein. Oui, tout à fait, t'as pris les jugements. Ouais. Mais ça fait quoi ? Qu'est-ce que tu lui fais ? En gros, je peux une fois par jour, quelque chose comme ça, enfin à un moment en fait décider de prononcer un jugement, et en fait tant que j'en ai pas prononcé un autre, j'ai des bonus qui viennent s'appliquer, qui peuvent me permettre de pousser dans une certaine direction. Ouais, je pense que ça va être châtiment. Vas-y. Je me sens juste pas comment je lance. Il va sortir le fouet. Quoique non, vu la fatigue dans laquelle je suis, je vais juste me faire un jugement de guérison sur moi pour pouvoir être suffisamment en forme pour... Alors sachant que ça dure pendant une situation de combat, hein. Ça dure pendant un combat, donc là t'es pas vraiment dans une situation de combat, lui ne t'agresse pas... Il l'a attaqué, il l'a attaqué. T'inquiète, je vais l'attaquer. Tu vois pas qu'il répond pas qu'il y a pas de combat. Tu veux l'attaquer sur la durée, d'accord, ok, ça marche. C'est ça ou alors... Attends. Non, je vais être un peu plus cohérent. On va lancer un interrogatoire, ce sera mieux. D'accord. Parce que, je veux dire, le mec, il nous a retrouvés alors que tout le monde nous cherche. Il s'inquiète que de sa bon dieu de corne de mes... Voilà, donc non, il m'a saoulé là. Je pense que j'ai été suffisamment sympa pendant un certain temps pour maintenant passer un peu à la... Donc ouais, on va lancer un interrogatoire. Ratel, le côté obscur de la force qui ressort. Ah c'est vas-y. Ça, bah, j'ai été sympa quand même. Non, c'est un interrogatoire. Mais t'es chaotique dans ton alignement. Non, je suis neutre, mais je joue sur l'équilibre. Ah bah chaotique neutre, c'est possible. Hein. C'est vrai. Ouais. Alors, donc, interroge la cible et renforce l'interrogatoire en menaçant de lui infliger des douleurs magiques. Poser une question par tranche de deux niveaux de lanceur de sort. Cible répond ou subit un des 4 points de dégâts plus bonus de sa. Mais non, mais attends, mais. Non, mais vas-y, moi je m'interpose. Attends, on a besoin de lui pour qu'il nous extrait de la ville. Je maîtrise. Ok. Alors... Ouais, mais non, on a vraiment besoin de lui. Hein. Ouais, mais il est. C'est pas pour le tuer, t'inquiète pas. Je vais lui faire comprendre. Oui, mais. Qu'est-ce que tu fais et dis pour lancer ton jugement ? La question est simple, c'est d'une, comment il a les ressources pour nous retrouver et faire en sorte que. Enfin, comment alors que toute la ville est à nos trousses ? Bah. Comment il nous a retrouvés, parce que depuis le début, je sais que ce mec nous cache quelque chose. À partir du moment où il a lancé la quête,
enfin où il nous a confié cette mission, il était pas net. Hein, Mibi, tu te rappelles, il était clairement pas net. Le mec est de toute évidence en lien avec les colporteurs, et il semble quand même accorder une importance à sa corne qui est complètement démesurée. C'est-à-dire, s'il était prêt à payer que 10 pièces d'or pour la retrouver, et pour autant qu'il fasse des bras... C'est vénère, 10 pièces d'or, quand même. C'est vénère, mais enfin, vu ce qu'elle a l'air de représenter, à mon avis, il se faisait une affaire en la retrouvant seulement pour 10 pièces d'or. Hein. C'est-à-dire, si t'es capable de monter une expédition à l'autre bout du monde pour être payé 10 pièces d'or pour la récupérer, il y a un truc qui est pas cool. Alors, du coup, tu lui as posé la question de comment vous nous avez retrouvés, quoi. C'est ça ? Ouais. D'accord. On verra pour le reste après. Alors, il semble pas chercher à résister à ce que tu lui poses comme question. Hein. Il te dit, eh bien, écoutez, je suis allé voir notre très cher ami commun, Angus Varro, et lui ai demandé s'il avait des nouvelles de vous et de mon affaire. Il m'a informé que vous étiez parti en direction des égouts, et bien, en laissant traîner mes oreilles de ci, de là, j'ai entendu dire qu'il y avait eu quelques échauffourées dans les égouts, et en cherchant les plans des égouts, j'ai vu qu'il y avait une entrée par ici, donc j'ai fait plusieurs entrées avant de vous trouver, et j'ai trouvé celle-ci. Je ne vous ai pas vendu, non, et je ne vous vendrai pas, nous sommes en affaires, je vous ai engagé pour quelque chose qui, semble-t-il, vous a amené à ces égouts, et donc dans une situation compliquée, c'est la moindre des choses que d'essayer de vous sortir de là. Mais surtout parce que vous voulez récupérer votre corne. C'est un plus pas négligeable, effectivement, mais... Non, vous êtes là uniquement pour récupérer votre corne. Si vous pouviez éviter de vous foutre de ma gueule, quand même, ce serait sympathique. Uniquement. Ne me prenez pas pour un roturier, s'il vous plaît. Il va nous faire sortir. Laisse-le faire. Attends, mais je veux pas remettre en cause l'idée qu'il veuille nous faire sortir. Je dis juste que c'est complètement irréaliste. C'est notre guide, Kratel. T'as pas parlé avec lui quand il nous a confié cette mission, hein, vraiment. Ouais, mais moi j'ai entendu, il va nous extrader de l'endroit, donc... Mais je veux dire, je sais pas où on est probablement au milieu de la ville. Enfin, on est à une telle distance de l'extérieur de la ville que le temps qu'on sorte, on sera repéré 30 fois, qu'il soit là pour nous aider ou pas. Bah, comment on peut lui demander comment il compte s'y prendre ? Eh bien, vous êtes dans un quartier plus à l'est de la ville, pas si loin que ça de la girouette. Mais la girouette est surveillée parce qu'ils s'attendent à ce que vous soyez sorti au niveau de son canal. Cet endroit est un peu perdu entre quelques petites maisons. J'ai fait en sorte d'affréter une chariote en haut bourrée de paille et un homme que j'ai grassement payé pour mener cette charrette en dehors de la ville. Voilà, je vous propose cette solution-là si... Si vous n'en voulez pas, je peux m'en retourner. C'est quoi grassement payé ? Parce que déjà, s'il y a les 10 PO pour la corne, il rajoute encore combien pour vraiment l'avoir au final, sa corne ? Ah écoutez, cet homme, je l'ai payé une pièce d'or, ce qui est un salaire inespéré pour un homme de son extraction. Quant à vous, de votre côté, eh bien, je souhaitais vous proposer un marché. Voyez-vous, je vous sors de cet endroit... Et moyennant la remise de la corne, que diriez-vous de m'accompagner jusqu'à Terrascon et de protéger ma route ? Bah oui, on est si fort. Si on pouvait aussi passer par un hôpital entre-temps. Ah oui, je me doutais que vous seriez dans un état assez piteux, hein, effectivement. Alors j'ai quelques... Attendez, je dois avoir quelques cataplasmes dans mon sac qui puissent vous aider légèrement. Montrez-moi ces vilaines blessures. Allez, Kratel. Alors faites-moi le point sur les... Il y a vraiment, tu sais, et puis il te met les petits pansements pour enfants avec des petits marteaux dessinés dessus, tu sais, genre c'est tout mignon. Non, c'est des petits cœurs. Hop là, c'est thématique. Voilà, c'est ça. Bien, les yeux magiques par-dessus. Disons que. Effectivement, on ne vous a pas raté, celui qui vous a asséné ce coup. Belle. C'était du corps à corps. Bien, alors là. Il a plutôt bien ajusté son coup. Je tenais le marteau comme ça. Ah, mais c'est vous qui lui avez tapé dessus. Vraiment.
Ah bah vous savez, moi je fais pas les choses à moitié. Hein. J'étais là pour tuer, bon, j'ai pas tué le bon. Bon, eh bien rappelez-moi. Mais le coup à porter, hein, le coup à porter. Rappelez-moi de ne pas vous contrarier. Il se penche vers toi, du coup, Kratel, il sort quelques onguents et autres qu'il applique sur les plaies. Alors c'est léger, tu sens quand même un petit soulagement. Et il te rend du coup quelques points de vie. En 4 points de vie, c'est pas si mal. Il reproduit l'affaire avec Mibi et Mayal qui ont aussi subi des coups. Il se tourne vers vous. Est-ce qu'il ne nous enfortelle pas en même temps? Regardez, ce sont des plantes. Vous croyez dans le pouvoir des plantes, non? Non, moi j'ai des connaissances en plantes. Est-ce que je peux checker que c'est vraiment des plantes qui soignent? Tu peux faire connaissance oui, nature. Oui, j'ai des bonus en plus en connaissance nature. Ok, oh. Effectivement, ça sent bien les plantes. Et ça ressemble à quelques plantes, effectivement, qui pouvaient être utilisées dans la forêt du Gidenvik pour leurs vertus médicinales. Bon, ok. C'est bon, j'accepte. Et donc du coup, il bande aussi vos blessures. Il essaye donc plus 4 pour Mibi, d'abord, qui a été la première à accepter. Et plus 1 seulement pour Mayal, hein, malheureusement. Fallait pas être dubitatif. Le temps que t'inspectes la pommade, en fait, elle commençait à sécher déjà et elle a un peu perdu de ses propriétés. Voilà, je suis désolé de ne pouvoir faire plus, mais je ne suis pas un prêtre. Voilà, je n'ai pas la bénédiction des dieux pour vous en apporter plus. Hein. Est-ce que ceci vous conforte un peu plus dans ma bonne foi, cher enquêteur? Non, mais... je persiste à penser que cette corne n'est pas clean. Mais, pour autant que... avec le bain qu'on a fait... Pour autant que je ne sois effectivement pas du tout en confiance dans la situation présente, je ne suis pas le seul décideur et c'est pas le jour pour perdre la foi, donc je vais faire confiance à Cruz, comme toujours. Si le reste du groupe décide que le jeu en vaut la chandelle, je suis tout à fait disposé à effectivement vous accompagner jusqu'à Terrascon, avec la seule condition que je ne vous remettrai la corne qu'une fois rendu sur place. Très bien, moi, c'est C'est un marché qui me convient. Si vous le souhaitez, vous pourrez même m'accompagner jusqu'à rencontrer mon client, hein, si vous y tenez. Si vous tenez à lui remettre vous-même la corne. Si nous parvenons à Terrascon et que nous parvenons à remettre la corne à mon client, je pourrais vous réserver un petit bonus de protection et d'escorte. J'ai posé mes conditions, voyez avec le reste du groupe maintenant, moi je... Très bien. Faut que je me repose, je pense. Donc effectivement, je recule d'un pas et je me pose contre le mur et je prie en même temps que je les écoute. Eh bien, prenez le temps de vous reposer, de récupérer un peu. Je vous propose de remonter dans une demi-heure et que vous vous installiez du coup dans la charrette à ce moment-là pour nous prenions la direction de la sortie. Il faudrait que nous soyons sortis au moment où le gros de l'activité dans la rue du Bric et du Brac reprenne, histoire que cette charrette passe plus facilement inaperçue dans le flux de population qui sort de la ville. Ok. Je vous avais dit que je pouvais retrouver n'importe qui et n'importe quoi sur cette terre. C'est pour ça qu'on me paye. À part votre corne. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je l'avais retrouvé. Mais ici, c'est plus compliqué. Bah moi, j'inspecte mon armure, voir si elle a à peu près séché, et puis je vais la remettre. Alors, vos affaires ont plus ou moins séché. Alors, il y a certaines choses qui sont un peu plus moelleuses, molletonneuses, enfin bon, un peu plus épaisses peut-être, qui ont eu un peu plus de mal à sécher, qui conservent encore une petite humidité, mais globalement, c'est quand même bien mieux. Au moins, elles sont propres, puisque Kratel les avait nettoyées, rincées, en tout cas. Et au bout d'un moment, vous vous sentez d'attaque. Kratel, de son côté, lui a fini sa prière à Cruz, qui au-delà des pouvoirs du jour ne lui a pas forcément accordé de réponse aux éventuelles questions qu'il se posait. C'est pas dans les moments de doute qu'il faut s'arrêter. Tout à fait. De croire, j'entends. Voilà. Complètement. Quand t'es dans la merde jusqu'au cou, c'est pas le moment de baisser la tête. Et vient le moment où Miklos se tourne vers vous et vous dit bien, ce serait peut-être temps de remonter maintenant. Ok. S'il a la charrette, effectivement, s'il y a de l'activité au-dessus, je pense que c'est le meilleur moment. Je passe devant. Je vous fais signe si tout est bon. On entend un peu genre l'activité qui reprend dans la ville. Je sais pas, des coups de charrette, des gens qui parlent. Ouais. J'ai quand même envie de pas lui faire confiance à 400% non plus, vu qu'on se rend pas trop compte de comment le temps passe au-dessus.
J'entends tout. Alors, 23, ça, une réussite critique pour Mibi. 22 pour Mayal, 17 pour Kratel et 7 pour Eldebaf. Ouais. Eldebaf, toi, t'es toujours de la merde dans les oreilles. Ouais. Toi, tu le regardes, tu fais. Vous êtes sûr, on devrait pas attendre un peu plus, genre une demi-heure encore Et alors Kratel, Mayal et Mibi, alors surtout surtout Mibi, hein, vous entendez que ça a repris donc les activités. Un peu plus loin, cette rue là en fait est un petit peu plus calme, elle est moins empruntée, mais vous entendez que au loin il y a les commerces qui ont rouvert, il y a les commerçants qui commencent à haranguer les passants pour qu'ils achètent. Voilà, il y a de l'activité et effectivement le jour et la vie de la ville se sont levés dans Ignazis. Okay. Très bien. Alors, Miklos, lui, monte en premier, il le regarde, et puis au bout de une minute, il vous fait signe, c'est bon, venez. Ok, bon bah, je commence à grimper moi. Ok, très bien. Tu grimpes sans souci, hein, l'échelle est... Bien que ancienne et plutôt usée, elle reste assez solide. Elle est faite en métal, elle n'est pas faite en bois. Et tu arrives dans une toute petite place et tu entends au loin le bruit de la rue qui s'agite. Et tu vois cette charrette avec tout un ballot de paille, tout un monceau de paille sous lequel en fait il a fait un peu de place pour que vous mettiez. Alors il va falloir que vous couchiez en fait sous la paille, mais vous avez l'espace de vous y mettre tous les quatre. On y va. Parfait, ouais. Allons-y. En avant. Moi j'ai tellement envie de m'installer dans la charrette en ayant mon périscope qui dépasse pour surveiller où on va, au cas où. Tu peux, ah mais t'as un périscope, c'est vrai. Oui, j'avais prévu au cas où. Mais oui. Moi je pense que je vais faire ça. Hein. Tu peux tout à fait faire ça. Ça va être marrant. Hein. Mais c'est l'occasion. Tu peux installer ton périscope, voilà. Alors... Je vais te demander un jet de discrétion pour faire en sorte qu'il ne ressorte pas de manière trop évidente. Oh. Ni vu ni connu. Voilà. 27, le périscope est vraiment planqué, il est sur le côté, vraiment englobé de paille, un peu en profondeur, pas complètement ressorti, et de sorte à ce que tu vois effectivement la direction où vous prenez.